Salam alaikum, mes petits farfadets nationaux, nous sommes presque à la fin de cette maudite année 2020, et aujourd'hui, Assassin's Creed Valhalla Wakbar. Cette énième itération de la célèbre franchise d'Ubisoft se passe à l'époque des Vikings, n'est-ce pas? Et on joue un blanc. Ah merde! Ils ont été capables de nous foutre des Arabes en pleine Norvège. Bon, ça va, ils étaient que deux, mais je sais pas, la Norvège aurait pu se protéger, elle aurait pu utiliser... Norvège PN. Avec Norvège PN, vous êtes protégé. Profitez dès aujourd'hui d'une réduction de moins 30% sur Norvège PN en utilisant le code SONAVENTISP. Norvège PN. Voilà, le placement produit est effectué, n'est-ce pas? Ça va pouvoir offrir des Mein Kampf première édition sur le sapin pour les arrière-petits-enfants. Non mais sérieusement, quelle va être la suite de cet agenda? Une série Netflix qui s'appelle Le Jeu de la Diams? Dans Assassin's Creed Valhalla Wakbar, nous sommes donc un viking. Qu'il soit mâle ou femelle d'ailleurs, il s'appelle toujours Eivor. Ah merci Ubisoft pour la théorie du genre. Oui quoi? Mais oui, je m'appelle Jean-Marie. Mais oui, oui, Marie est un prénom féminin, mais ça n'a rien à voir. Alors c'est bien joli la Norvège, mais pour me situer, pour me localiser, il faut que je grimpe sur les plus hautes cimes afin de trouver un micromaniazing qui voudrait bien me racheter ce jeu. Oui, c'est bon, merci, Yann Arthus Bertrand, pas la peine de faire une rotation, y'a que dalle dans ce putain de bled paumé. Je dois rester prudent. Quoi? Mais comment ça, rester prudent? T'es un viking, wesh! Défonce-lui sa race! Quand on est viking, y'a pas besoin de trigger warning! Fatality. Mais qui 18, n'est-ce pas? Au début, notre équipement étant ce qu'il est, on ressemble plus ou moins à un clochard. Mais un peu plus tard... Bon, on ressemble toujours à un clochard, c'est vrai, mais qui a l'air d'avoir moins froid. En tout cas, clochard ou pas, il doit se sentir terriblement mauvais. Ce n'est plus Assassin's Creed, c'est Assassin's Crad. Mais un viking, c'est aussi un homme plein d'astuces et de sagacité, capable de se sortir de toutes les situations. Enfin... Ah merde, mais par où je dois aller là? Je suis venu là pour botter des culs, pas pour prendre des cours d'escalade au lycée Rosa Parks de Thionville, voyons. Ah, on pourrait dire aux comédiens d'arrêter de se masturber dans le micro, c'est obscène, merde. Allez, moi je prends mes clics et mes claques et je me taille, des os, pas des os, je vais me plonger dans les eaux. L'activité première des vikings, n'est-ce pas, c'est quand même de piller des villages, ça détend. Bonjour, on est des vikings, on vient vous apporter la démocratie. Ah non, lol, ça c'est l'armée américaine. Et là, en fait, effectivement, on peut dire qu'on est là pour mettre le bololo. Le bololo partout? D'ailleurs, c'est le nom du jeu, Assassin's Creed Bololo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre coffre? Quoi, une vieille hache achetée chez Decathlon? Eh les gars, la prochaine fois, on évitera d'attaquer les pays du tiers-monde, wesh! Quicksilver, des gemmes, des objets précieux. Comment cela a-t-il pu échapper aux chiens de Kyotve? Plus on tue des gens, plus on acquiert de l'expérience, et on passe parfois des niveaux, et à chaque niveau, on gagne non pas les points de détail, n'est-ce pas, mais les points de compétence, que l'on peut utiliser afin de modeler notre viking pour qu'il puisse être jouable selon nos préférences, n'est-ce pas? Allez, on va mettre des points au corps à corps. On a joué sur les mêmes accords. Lol. Quoi, vous avez pas la ref? Hein, pour se dandiner sur du Aya Nakamura, là, il y a du monde. Mais pour avoir un peu de culture musicale française, n'est-ce pas, il n'y a plus personne. Permettez-moi de le dire devant la France entière, l'Archouma. Écoutez, je n'ai jamais su ce que ce charabia musulmanophone voulait bien signifier, n'est-ce pas, mais en tout cas, il décrit bien mon état d'esprit. Quoi, comment ça, mon personnage perd de la vie quand il est dans une eau fraîche? Mais c'est un viking, wesh. Que dirais-tu d'une autre leçon? Une petite joute. Ah oui, une joute! Moi, je suis toujours partant pour me... Quoi? Un concours d'insultes? Mais on est des vikings, on n'est pas à l'époque de Shakespeare! Alors choisis bien les paroles que tu emploies... M'en bats les couilles, je vais te péter la gueule, voilà! Ah, j'ai pas le droit de dire ça? Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Non. La rime est bonne, mais trop de mots nuisent au rythme. Ah ben voilà, j'aurais dû rester sur mon premier choix!
toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... Moi, au moins, j'ai pas une gueule de gauchiste. Belle réplique. Je t'ai traité d'idiot et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Bon, le gars est beau joueur, c'est lui qui juge si je l'ai bien insulté. Emploie toujours celle qui correspond le mieux. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les verres. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci, Elvis. Je me souviendrai de tes conseils. Bon, écoutez, je ne m'attendais pas à ça. Il faut croire qu'on est un viking qui lit aussi les cahiers du cinéma. Et pour faire de bons pillages, il faut aller aussi chez le forgeron afin d'améliorer notre équipement. Et quand on est viking, faut parfois faire du shopping. Ah, mais c'est trendy, avec ça je vais être la reine du bal. Du balala. Ah, intéressant. Mais enfin, c'est quoi ce jeu de merde? Je comprends même pas les règles. Moi je suis un viking, je ne suis pas là pour faire du gaming. Bon, je pense que je peux m'arrêter de faire des rimes avec viking. On a beau être un viking, dans ce jeu on est avant tout un assassin. Et pour débusquer certains ennemis qui sont bien cachés, bien dissimulés, on peut tout à fait lancer un drone, un corbeau, n'est-ce pas? Et pour ceux qui possèdent un compte Amazon Prime Gaming, eh ben vous pourrez devenir un pigeon. Ben, je veux dire, vous pourrez avoir un pigeon dans le jeu. En plus de votre statut de pigeon. D'avoir pris Amazon Prime Gaming. Lol. Abonne-toi. Allez, mon équipage et moi, on embarque. Non, ne chantez pas, ça va me démonétiser sur Twitch. Vous savez, être un viking ne me dispense pas de posséder les dernières technologies. Regardez, moi aussi, j'ai l'application Uber sur mon téléphone. Oh, on se fait chier en Norvège, emmenez-moi en Angleterre. Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre! Ou le Valhalla! Ah bah merci bien de me donner le titre du jeu, j'avais totalement oublié comment il s'appelait. Ah voilà, l'Angleterre, c'est extra. Quand on pille, on tombe sur des vraies choses utiles, comme des matières premières. Bon, en arrivant en Angleterre, on a trouvé un endroit pour s'installer. C'est ça le titre du jeu, Assassin's Creed, voilà, là. Lol. Alors Ubisoft, votre jeu n'est pas fini, mais par contre, les microtransactions, ça c'est halal, vous avez programmé ça depuis le premier jour, je parie. Salut à toi, étranger. Pardonne-moi, mais... j'ai un peu mal. Est-ce que j'ai quelque chose à la tête? On dirait une démangeaison ou... une... Ce gars-là me rappelle quelque chose. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Vous savez, ce jeu arrive à me rendre nostalgique, non pas de l'époque, que je n'ai pas connue mais que j'aurais bien aimé connaître, mais nostalgique des films de mon enfance, en noir et blanc. Ah, les films en noir et blanc, c'était le bon temps. Maintenant, il n'y a plus que des films avec des noirs. Ah bah c'est du propre, Ubisoft. Ça, c'est littéralement un bug dans la matrice, wesh. Voyez-vous ça? Les jeux Ubisoft sont tellement buggés que désormais, ils ont implémenté ça dans le jeu. C'est un peu comme si le parti de Manuel Valls s'appelait... De toute façon, je vais perdre. C'est dommage qu'il fasse pas ça, le bougre. Ce serait le meilleur moyen pour qu'il gagne. Parfois, il arrive que je fasse un peu trop le fanfaron et que je tombe sur plus fort que moi, la vie. Enfin, vous avez vu la puissance des coups que Kendall génère. Kendall génère. L'autre connasse, là. Ah, ça commence à bien faire. Je fais des vieilles références, vous ne les comprenez pas. Je fais des nouvelles références, vous les osez faire totalement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous savez quoi? Pour la peine, je vais me venger. Je vais faire des références encore plus vieilles. Je vais appeler un groupe que j'aime bien et ils vont chanter sur ce jeu. Toujours le même problème avec cette série que j'aime. Le jeu n'est pas fini mais pourtant ils le sortent quand même. Ça fait des années que c'est encore la même heure. On gagne à longtemps, je les respectais mais maintenant je n'ai que de la peine. Cette entreprise est censée être le fleuron de la France. Pourquoi vos jeux se lancent-ils au petit bonheur la chance? Pourquoi Ubisoft vous sortez un jeu qui n'est pas terminé? Pourtant vous avez des équipes dans toutes les contrées. Quelle que soit la version, quelle que soit la console, votre optimisation et votre technique me désolent. C'est même pas comme si le jeu était original. Niveau changement, faut avouer
trouvez franchement qu'il n'y a que dalle. Far Cry et Ghost Recon sortent à une fréquence frénétique. C'est pas prenez 2 ans pour faire un congé sabbatique. Espérons que c'est la dernière fois que ça se passe comme ça, parce qu'il y a trop de bugs dans Assassin's Creed Valhalla. Il est bugué, oh oh, le Valhalla, la li la la. Il est bugué, oh oh, Ubisoft c'est des narvalos. Il est bugué, oh oh, le Valhalla, la li la la. Il est bugué, oh, j'ai payé 70 euros. Allez, stop, on arrête là la chanson, n'est-ce pas? Ganesh fera peut-être une version longue, on verra si ce gauchiste guadeloupéen va bien sortir les doigts du cul. En attendant, abonnez-vous et mettez la cloche! Non mais attends, et... Mais regarde le modèle 3D du gars derrière. T'as vu comment il bouge? Egil, regarde-moi. Oh non, mais n'importe quoi. On est arrivé en Angleterre, ok, non mais non mais là c'est sérieux quand même. C'est pour toute une semaine. Mais c'est censé être une scène triste en plus. Ah putain. Tu chasseras dans moins d'un mois. Ah, Ubisoft, bravo.